Rebonsoir frères et sœurs, et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Donc c'est une émission assez particulière. On improvise, voilà. Donc on veut vous montrer un peu les studios, ce qui se passe. Vous montrer en même temps les techniciens qui sont là, qui travaillent, comment on s'organise afin que vous voyez le travail qui se fait. Comment, n'est-ce pas, Dieu fait avancer les choses et notamment vos prières, n'est-ce pas? On veut vraiment que vous compreniez, que vous voyez que le Seigneur travaille et que grâce à vos prières, grâce à vos soutiens, les choses progressent. Donc là, on va vous montrer tout de suite Yann. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un peu l'image bouger parce que le caméraman est en train de... n'est-ce pas, se débrouiller parce qu'il a la caméra dans ses bras, donc c'est pas forcément évident, mais on fait avec, voilà. Donc Yann est en train de travailler et voilà. Bonsoir Yann. Bonsoir Chora, bonsoir tout le monde. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de finaliser, comme tu as dit juste avant, on a fait une petite vidéo juste avant de prendre ce direct pour D'accord. annoncer la journée de la jeunesse demain mercredi 11 novembre. Mmh. Et en fait, je suis en train de la mettre en ligne sur le site TV de Vie. Donc là, ça y est, c'est en ligne. Donc là, le slide, l'annonce est en ligne. Voilà, tout à fait. Et donc, je ne sais pas si le caméraman va pouvoir avancer, si c'est possible. Je sais que c'est délicat, hein. Donc on va regarder en même temps au sol, ce n'est pas évident. Voilà, pour montrer un peu aux frères et sœurs le travail qui se fait. Donc du coup, Yann, toi, tu gères un peu tout ce qui est... Et annonce aussi, hein, tout ce qui est la com un peu en général au niveau de TV de Ville et avec les sites web, tout le graphisme en fait. D'accord. Notamment. Et donc voilà, donc là actuellement on a le slide en ligne. Je vais tourner mon ordinateur. Comme ça on va bien le voir. Donc là c'est comme ça les slides, tout ça, les annonces. Donc voilà, ça vient d'être mis en direct. Donc ceux qui rafraîchiront, qui sont déjà sur TV de Ville, qui iront sur la première page. Donc la slide au deuxième niveau, je vais la mettre au premier niveau après tout à l'heure pour que ce soit la première information qu'on voit sur le site TV de Ville. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire? Quelque chose d'autre à... On a vendredi prochain, on va faire une soirée spéciale. Donc il y a un slide aussi sur le site TV de Ville. Mm-hmm. Et donc on va faire une émission spéciale avec donc des vidéos exclusives, inédites, qu'on n'a pas encore mis en ligne, ni D'accord. sur YouTube, ni sur le site TV de Ville, D'accord. concernant la mission que tu as effectuée avec les frères et sœurs en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc régulièrement, on va essayer comme ça de faire des soirées à thème, mm-hmm. avec par exemple des pays ou des missions, etc., pour essayer de montrer aux gens un petit peu l'œuvre qui se fait et qui n'est pas des vidéos un peu fractionnées ici et là, D'accord. mais qui est vraiment plusieurs vidéos pour montrer l'ampleur un peu de toute une mission, par exemple. Parce que justement, beaucoup nous disent qu'ils ont soif, qu'ils ne veulent pas seulement des extraits, mm-hmm. ils veulent vraiment des vidéos, des messages entiers. Mm-hmm. Donc je pense qu'ils seront vraiment bénis, hein, donc justement ce vendredi. Amen. Parce qu'il y a eu quelques extraits de la mission... en Côte d'Ivoire, et puis là, vendredi soir, à partir de 20h30, voilà, c'est ça. Il y aura plusieurs vidéos. Il y aura des émissions, et à mon avis, on va mettre à la suite toutes les vidéos, je pense qu'on aura presque pour toute la nuit. Hein. D'accord. Donc il y aura une émission avant ou c'est Non, c'est en direct. Directement à 20h30, on commencera avec un premier message, puis après, ça sera dans l'ordre chronologique. D'accord, parfait. Que ça soit bien. En tout cas, les frères et sœurs seront encouragés. Donc là, bien sûr, en face de moi, nous avons le deuxième studio. Donc on va, avec l'équipe technique, nous balancer avec l'autre caméra qui est fixe. Hein. Donc là nous avons un deuxième studio et merci Yann. Et on a bien sûr Déo qui est là, donc je veux venir, merci. Bonsoir Déo. Bonsoir Chora. Prêt pour... C'est bon, prêt pour le message tout à l'heure. Oui, on s'attend au Seigneur. À vrai dire, s'il faut dire que je suis prêt, je suis pas du tout. Je pense qu'on est des soldats, il faut qu'on soit tout le temps prêt. Ben oui, on est prêt. C'est clair qu'on est prêt. Après, on ne sait jamais par où on attaque, comment est-ce que le général de l'armée va... En tout cas, il est fidèle. En tout cas, lui, il est fidèle. Amen. On attend qu'il donne les ordres et on y va. Que le Seigneur soit béni. Ouais. Donc, parfait. Donc là, on va vous montrer, on va aller maintenant dans le local technique, hein, pour que vous voyez un peu comment les techniciens travaillent. Donc voilà, vous allez voir le travail qui se fait. Donc là, vous avez le local technique. Et voilà. Et on va aller voir rapidement. Donc, il y a une caméra aussi là-bas. Donc nous avons Laurent, un des techniciens qui est en pleine activité, hein, comme vous le constatez, hein, sur... Les images qui s'affichent, hein, donc voilà. Et Laurent est très très concentré. Bonsoir Laurent. Bonsoir Fréchura. Comment vas-tu?
Par la grâce de Dieu, ça va donc, très bien. Donc là, tu es sur la comment dire, régie immobile de TV de vie, parce qu'on a deux régies. Une mobile. Le Vito, donc la camionnette, oui. Avec l'antenne parabolique et automatisée. Et là, c'est la régie, n'est-ce pas, immobile. Là, c'est la régie immobile. Qui est là. En gros, un peu le cœur de TV de vie. D'accord. Vous pouvez être chez vous, mais c'est ici que tout est pilonné depuis la base ici. Là. D'accord. Donc et là, c'est quoi cet ordinateur, par exemple, celui-ci. Celui-ci, ouais. Cet ordinateur. Donc on va le montrer un peu. Son rôle, beaucoup de boutons ici, caméra, tout ça. Donc oui, c'est... là, les boutons qu'on voit là, c'est pour changer différentes caméras. D'accord. Là, la deux, essaie en gros à gérer le mélangeur. D'accord. Le mélangeur qui est cet appareil qui est juste donc là. Cet appareil qu'on va montrer aussi en même temps aux frères et sœurs. Donc c'est le mélangeur. Le mélangeur. Et ça coûte beaucoup d'argent, ça, ce mélangeur là. Oui, voilà. Le mélangeur coûte le mélangeur il est dans les 2 500 euros. Donc, dans 2 500 euros. Oui, donc il y en a deux. Le mélangeur et au-dessus, c'est l'enregistreur. Donc, il y a en bas le mélangeur. Donc plus de 2 500 euros. Et celui, au-dessus, c'est 2 000 euros. 2 000 euros. C'est quoi ? C'est le mixeur, c'est ça ? Lui, c'est l'enregistreur. L'enregistreur. Donc, oui. Enregistreur et mélangeur. OK. Et juste à côté, on a deux disques durs. Donc là, ce sont les disques durs. Donc là, effectivement. Les deux disques durs qui permettent qu'on puisse avoir des roches sur place déjà ici. D'accord. Et au niveau là, on a l'écran de contrôle. D'accord. Qui nous permet de gérer toutes les caméras. Donc là, on peut avoir combien de caméras dessus ? Là, sur cet écran, on peut avoir 10 caméras, mais on a juste ce format. Nous sommes calés à 8 caméras là. D'accord. Et juste à côté, c'est le PC de diffusion. D'accord. Donc c'est lui qui permet à ce que les gens puissent recevoir les images chez eux. OK. Et juste. Et là, je vois un autre PC portable ici. Oui, le. Celui-ci, on a déjà on a expliqué ce que c'est. Hein. Donc il est là. Celui-ci, okay. Alors le PC, celui-ci, lui, c'est juste de retour. De retour, c'est ce que les gens voient chez eux. Les gens voient chez eux afin qu'ils ne soient pas en désaccord. Nous ne sommes pas en désaccord. Donc là, bien sûr, on a notre image. Nous sommes en direct. On nous voit en direct depuis nos locaux. D'accord. Donc là, c'est pour vérifier que... Là, c'est pour vérifier que le son est bon et l'image est propre. L'image est bonne, tout ça, propre, nickel et tout ça est bien clair, parfait. Et donc, je vois... Y a pas autre chose. C'est fini là au niveau de la diffusion, au niveau de la... Régie immobile là ? Non, c'est pas fini puisque on a juste un écran aussi là. D'accord. Qui nous sert aussi de contrôle. Ok. De contrôle. De contrôle au niveau de l'antenne. Ok. On appelle ça la programmation. Lui, c'est le preview. On l'appelle preview. C'est ce qu'on voit ici avant d'envoyer chez les gens. Ok. Et juste à côté, on a deux enceintes là. Donc il y a des enceintes effectivement. Il y a deux enceintes là. Ouais. Et juste à côté. C'est pour le retour du son. C'est oui, tout à fait pour le retour de son afin qu'on puisse avoir. On voit si le son est propre ou s'il n'est pas propre. D'accord. Et juste à côté, on a maintenant un autre écran. Là où on peut afficher toutes les slides derrière, pour afficher les images, les tout images ça. Derrière l'écran. D'accord. Que les gens voient derrière la dernière trompette, partageant la parole à la lumière de la parole. Donc l'image que l'on voit, on va nous braquer l'image là, voilà. Donc, merci. Voilà, donc l'image que l'on voit là, derrière... derrière le plateau. Derrière le plateau, effectivement. Elle est gérée depuis la régie ici là. Ok, donc c'est cet écran, cet ordinateur là, oui, qui fait son travail à lui. Ok, parfait. Et juste à côté, on a tout le matériel son. Donc là, on va nous montrer le matériel son. Donc il faut cliquer, je pense qu'au niveau de la régie ici, sur un bouton. Voilà, parfait. Donc là, maintenant Benoît va nous expliquer un peu ce que c'est parce que c'est lui qui est l'ingénieur son. Et Benoît Vanier, bonsoir Benoît. Bonsoir, je crois. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va. Hein. D'accord, donc là on va voir un peu ta tête, parfait. Donc je sais que tu n'aimes pas trop non plus c'est pas être grave. Vu. Pas grave. Je préférais être derrière le son comme ouais, ça, derrière bien, le matos. Donc explique-nous un peu Laurent, donc là qu'est-ce que tu fais concrètement ici ? Donc en fait ce qu'on fait concrètement c'est qu'on a une table... une console de mixage numérique. D'accord. Ce qui nous permet... Une console numérique. Voilà. D'accord. Et donc, en fait,
tout le son part d'ici. Donc tous les micros avec lesquels on parle, les micros qui sont sur le plateau, d'accord, sont directement redirigés ici. Ok. Éventuellement aussi quand on fait les directs au 26. Mm-hmm. Donc en fait on a passé des câbles du 24 au 26 dans les toitures. D'accord. Pour avoir récupéré le son qui vient sur cette table là. Mm-hmm. Et en fait on effectue tout le mixage pour le direct, pour l'enregistrement, pour la radio qui est ici aussi. Donc on peut montrer le logiciel de la radio. Qui est donc là, c'est le logiciel de la radio. Voilà, ça, c'est le logiciel qui sert à la radio. D'accord. Donc là, on est en direct sur Radio 2. Donc ça veut dire que présentement, hein, nous sommes à la fois sur TV et sur radio. Voilà, donc en même temps. On ne veut pas négliger la radio, puisqu'il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, tout ça, qui nous écoutent, qui ne peuvent pas forcément suivre l'émission. Parce que le débit n'est pas assez fort, n'est pas assez haut. On a utilisé un débit, un haut débit, un débit plus bas. D'accord. Donc, pour vraiment que tout le monde puisse au moins écouter la parole. Et puis, gloire à Dieu. Donc, du coup, Radio de Vue continue toujours à fonctionner. Toujours. On fonctionne toujours. Et puis, comme Yann l'a dit, on essaie de faire au moins une fois par mois. Voilà une thématique par rapport à un thème bien précis et des messages qui concernent tout un week-end. D'accord. Pour la thématique par rapport à ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Des besoins, de là, peut-être, en fait, non? Non, des besoins de la prière. D'accord. On a besoin de la prière. Et puis, les besoins, bon, le Seigneur, il sait ce qu'on a. Voilà, on n'a pas forcément d'autres besoins nécessaires, je dirais. D'accord. Après, il ne faut pas se créer des besoins inutiles. C'est ça. C'est l'argent de l'œuvre, c'est les dons, tout ça. Et puis, il ne faut pas négliger tout ça. On est déjà grandement bénis. Gloire à Dieu. Il ne faut pas négliger tout ça. Et nous tenons justement à dire merci au Seigneur et aux frères et sœurs qui soutiennent énormément. Tout à fait. Il faut les souligner. On est très surpris de tout ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on ne veut vraiment pas négliger. On veut faire attention au matériel qu'on a, qu'on utilise, et ne pas acheter n'importe quoi. D'accord. Et donc, c'est de là, en fait, que le son part pour aller aussi sur la TV de vie. D'accord. Donc, mais je vois d'autres appareils, là, Benoît. Il y a pas là, en fait, la console numérique. Voilà, avec tous les branchements. Voilà. Et là, à côté. Là, ici, donc, c'est le récepteur micro. D'accord. Donc, les micros avec lesquels on parle, les micros HF. Mm-hmm. Juste en dessous, en fait, c'est ce qui permet, par rapport aux appels téléphoniques. C'est le standard. Voilà, c'est le standard. Donc là, c'est le standard. Donc, quand les gens nous appellent. Voilà, en fait, on les prend au téléphone directement ici. D'accord. Et en fait, le standard téléphonique est relié à la table de mixage. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut les passer en direct. D'accord. Et puis, rediffuser, que chacun puisse écouter les personnes. Tout ça, là, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Oui, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. Donc, en dessous du standard téléphonique. C'est l'ampli, en fait, qui relie la table de mixage pour la communication avec c'est le plateau. C'est un ampli, comment on appelle, l'ampli de puissance ou c'est comment c'est... Oui, c'est un ampli de salon. De salon, ok. Voilà, mais il est performant, il tient la route. D'accord. Et donc, voilà, c'est pas... Je vois que tu as aussi deux enceintes. C'est des enceintes studio. D'accord. Qu'on a eu qui coûtent aussi don. Beaucoup d'argent. C'est un don qu'on a reçu au niveau de Musique de Vie. On a fait le don par rapport à tout ça ici. D'accord. Et donc, voilà, c'est ce qui nous sert. Bah, là, elles sont allumées puisque ça nous sert de retour. D'accord. Et donc, elles sont fonctionnelles à chaque direct, à chaque moment d'enregistrement, elles sont allumées, elles fonctionnent. Gloire à Dieu. Pour travailler les messages et puis tous les jingles et toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Donc, tu t'occupes en même temps avec Loïc, hein, de Musique de Vie. Voilà, ça va. C'est ça, avec Loïc et Clens. D'accord, Clens aussi, effectivement. On travaille sur le projet Musique de Vie. D'accord. Et on est en pleine restructuration encore. Voilà, il y a des modifications par rapport au studio, mm-hmm. par rapport à la vision notamment, donc d'où les changements, parce que le Seigneur nous amène à faire autre chose. Mm-hmm. Et donc, voilà, on veut suivre le Seigneur, on veut être patient. Il y a des vidéos qui sont mises en ligne sur le site pour l'apprentissage du piano, de la guitare, mm-hmm. notamment avec d'autres frères et sœurs. Donc on bénit le Seigneur et puis surtout on veut être à son écoute. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, donc on a voulu vous montrer un peu le travail qui se fait dans les coulisses. Hein. Donc c'est des visages que vous ne voyez pas forcément vous ne voyez pas forcément régulièrement sur TV de Vie, mais par contre ils travaillent. C'est des frères et sœurs qui travaillent énormément, ils travaillent beaucoup et c'est grâce à leur fidélité, à leur ponctualité, à leur engagement, que vous avez des vidéos, vous avez des enseignements, vous avez des missions aussi, ici et là. Donc, je tenais ce soir vraiment à les remercier, à vous montrer tout ce travail qui se fait, à quel point certains, notamment Laurent et Benoît, qui ont des enfants, qui ont des familles, donc ils sont pères de famille, et ils laissent leurs enfants pour venir travailler jusqu'à tard, et tout cela gratuitement, bien sûr. Voilà, c'est du bénévolat totalement. Et que le Seigneur soit béni. Donc, on va aller de l'autre côté en même temps pour nous montrer rapidement la régie, bien sûr, mobile. Ça, vous l'avez déjà vu.
Vous la connaissez, hein, la régie mobile. Et voilà, donc s'il est question, bien sûr, de du Vito. Donc ça, vous avez déjà vu les images. Hein. Et dis-moi, Yann, la régie mobile, le Vito, cette régie, elle est opérationnelle déjà là ? Oui, c'est opérationnel. Donc voilà, ça a été finalisé il y a à peu près 2 semaines. D'accord. Un gros travail qui a été fait avec une équipe aussi, comme tu le disais, on est tous bénévoles. Hein. D'accord. On travaille pour le Seigneur. D'accord. Donc, et on bénit Dieu pour ça. Effectivement, il est complètement opérationnel. On l'utilise tous les samedis, donc notamment pour se roder par rapport au studio à l'intérieur, etc. Alors, je voudrais juste te laisser continuer. Yann, prendre la clé pour montrer un peu. Bien sûr. Parce que, d'accord. Voilà, donc d'accord. Tu peux continuer. Du merci. Coup, voilà, la régie mobile, on vous l'avait montré. On va l'ouvrir pour vous montrer un peu plus l'intérieur. Peut-être qu'un jour, un samedi, durant une de nos réunions un samedi, on essaiera peut-être de prendre le direct un peu plus tôt. On verra. Et puis, on essaiera peut-être de vous présenter correctement cette régie mobile pour pouvoir notamment voir comment ça fonctionne. Donc, on a installé en fait au-dessus un satellite qui nous permet de capter Internet partout en Europe. Donc, on déploie cette antenne qui va capter un signal. Et une fois qu'on a ce signal et qu'on est stabilisé, on peut à l'intérieur, en fait, on va le voir dans quelques secondes, on peut à l'intérieur en fait avoir la régie vidéo qui nous permet, une fois que nous sommes reliés à nos caméras, de pouvoir diffuser partout en Europe. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un camion tel que les grandes chaînes de télévision en ont pour aller ici et là faire des reportages ou faire des directs partout. Et donc voilà, le Seigneur nous a vraiment fait grâce par rapport à ce projet. Donc Chora avait lancé. Et vraiment, le Seigneur nous a vraiment beaucoup soutenus. Il y a des frères qui se sont très très bien débrouillés pour travailler dessus. Toute une équipe vraiment qui a été mobilisée. Des gens qui n'étaient pas forcément formés dans ces choses. Et le Seigneur a vraiment fait grâce. Et donc voilà, on peut voir à l'intérieur. Donc on n'a pas allumé. Pas beaucoup de lumière, pas de lumière du tout. Mais c'est pas grave. De toute façon. Il y a déjà des images hein, sur, tout à fait. Sur TV de vie. Ouais. Donc là, tout est opérationnel. Ouais. Et donc, il y a également pratiquement le même matériel que nous avons là-dedans non, par Exactement. Rapport à la télé. Voilà, tout à fait. Alors le matériel ici est un peu plus... Alors on a en fait ici ce qu'on appelle une baie. D'accord. Qui permet de mettre à l'intérieur donc, un gros ordinateur. D'accord. Et on a différents éléments, effectivement, au niveau du son, au niveau de la vidéo, notamment l'enregistreur vidéo. Qui nous permet notamment de pouvoir diffuser. Donc effectivement, on a reproduit en fait le studio que nous avons donc là-bas, ici, tout D'accord. simplement. Donc là, c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est beaucoup d'investissement. C'est si on devait faire un budget, alors David n'est pas là, mais si on devait budgéter un petit peu ce projet, sans compter le temps passé en termes de jours hommes, hein, de travail homme, mais on serait facilement à 40 000 euros. Ouais. 40 000 euros. Ah oui, au moins, donc, au moins, voilà. Au moins. D'investissement quoi. D'investissement, parce qu'en fait, on est parti vraiment d'une camionnette. Véhicule en plus ou compris ou... Véhicule compris. Okay. Véhicule compris. On a acheté le véhicule d'occasion, donc il y a déjà 15 000 euros à peu près. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, voilà, il a fallu notamment monter l'antenne. On est parti vraiment d'un véhicule standard, hein, d'un véhicule standard. Et comme les artisans peuvent en avoir pour faire toutes sortes de travaux. Et derrière, on est passé par une entreprise pour aménager l'intérieur. Ensuite, on a installé donc l'antenne. L'antenne a été installée aussi par une société. Et puis après, il a fallu, bah, bien évidemment... L'antenne a coûté plus de 7 000 euros, si je me trompe. Oui, 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 c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Non, il y a vraiment un gros budget. Il faudrait qu'on fasse... Pour moi, c'est au moins 40 000 euros. Au moins 40 000 euros. Ah oui, 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 au moins. Voilà. Au moins. Donc tout ça, là, ça vaut près de 40 000 euros, frères et sœurs. Vous voyez, c'est grâce à vos prières et à vos dons. Et donc là, vous avez... Merci, Laurent. Donc on a un peu voilà, de l'éclairage. Donc on peut facilement, voilà, le technicien, il s'installe ici et il a combien d'ordinateurs ici 1, 2, 3, 4. Alors on a 4 écrans effectivement. 4 écrans. Et 3 ordinateurs. Et 3 ordinateurs, donc 4 écrans et 3 ordinateurs. Et là je vois plein d'appareils que les frères et sœurs ne peuvent pas voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment encourageant de voir ce travail. Techniquement, c'est quand même c'est énorme. Hein. Ouais, on n'est pas des professionnels, c'est sûr, mais vraiment le Seigneur donne l'intelligence et on bénit les frères et sœurs pour leurs prières, leur soutien financier, leurs encouragements aussi, tout simplement, en nous croisant et en nous encourageant. Parce qu'effectivement, bah, voilà, le Seigneur fait grâce et voilà le résultat d'un des projets qu'on a pu concrétiser. Donc là, avec ça, bien sûr, on va davantage tourner. Hein, Amen. Dans toute la France. Toute la France et on espère même l'Europe. Oui, ouais, tout sûr, à fait. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le camion sera présent à Londres le 18 décembre. Le 18 décembre à Londres. Voilà, le 18 décembre prochain. La veillée, on part avec le camion, bien évidemment, pour pouvoir diffuser en direct. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit bien, en tout cas, c'est vraiment très encourageant, frères et sœurs. Donc on va ressortir. Et voilà, donc on est toujours sur TV et Radio de Vie. Bien sûr, nous sommes en direct. Et voilà le travail qui se fait. Donc de l'autre côté, bien sûr, il y a
deux personnes qui sont en train de délivrer par le Seigneur. Il y a un frère qui prie pour ces deux personnes, donc les esprits sortent. Donc voilà, il y a une émission en direct ici et là-bas, à côté des délivrances qui s'opèrent. Donc Dieu travaille. Alléluia, mes amis. Donc on va rentrer dans les studios, Yann. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Donc le projet, donc oui, tu peux présenter ce projet effectivement parce qu'on a un projet assez assez conséquent qui arrive. Comme vous le savez, on aime les défis avec le Seigneur et c'est vrai que on est depuis un moment. Vous l'avez vu avec le camion mobile, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir ce camion qui est né comme ça. Tout d'abord dans la prière, dans la pensée du Seigneur, et puis ensuite qui a été concrétisé avec votre aide. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre gros projet d'envergure. Nous voudrions en fait devenir notre propre diffuseur. D'accord. Donc on ne voudrait plus être dépendant des différentes sociétés avec lesquelles on peut travailler aujourd'hui pour différentes raisons, et notamment sécuriser bien évidemment notre flux. Donc l'objectif, c'est d'avoir des gros serveurs, je schématise, je parle simplement, des gros serveurs ici dans nos locaux qui nous permettront tout simplement de pouvoir faire du direct en permanence. D'accord. Donc on serait notre propre diffuseur. Voilà le gros projet qui est notre hébergeur aussi. Et notre propre hébergeur, effectivement, en même temps. Tout à fait. Avec la société, en tout cas, on va budgéter tout ça et puis on va présenter ce projet, bien sûr. Le Seigneur, nous l'a inspiré et puis on va en parler aux frères et sœurs et que le Seigneur soit béni. Donc voilà, frères et sœurs, le travail qui se fait. Donc vous voyez que et tout ça, c'est que du bénévolat. Tout à fait. Donc personne n'est salarié. Personne. Ni moi, ni toi, ni qui que ce soit. Non. Et tout est fait par la foi. Amen. Parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous aimons les âmes, parce que nous voulons voir des frères et sœurs éclairés, enseignés, fortifiés, encouragés. Je crois qu'on aura dans les prochains jours, si le Seigneur le permet, vraiment une émission pour expliquer encore dans les détails toute la vision que le Seigneur nous a communiquée. Amen. Et aussi bien Didasco que les Docimos, le pain quotidien également pour les veuves, les orphelins. Musique de vie, et tous ces projets que nous avons depuis des années, et je crois que beaucoup seront encouragés par le Seigneur. Amen.